vivrons une éternité. Mais aucun n'est arrivé jusqu'ici. Ulysse le Brave, Alexandre le Grand, Attila, Lancelot. Mais toi seul possédais une âme assez noire pour me libérer. Donner mon âme pour sauver Béatrice, pas toi. Pensais-tu vraiment que tout cela n'était que pour elle? Elle ne servait que d'appât. Son âme est libre désormais. Il ne reste plus que nous seuls. Viens donc te battre, guerrier sacré. Viens accomplir ta destinée. Toi qui as fait bien pire que moi, j'ai soutenu les autres anges, la raison et la justice. Et puis il vous a créé, vous,
à son image. Vous, l'imperfection incarnée. Et j'étais alors censé vous obéir à vous. Ma gratitude pour avoir brisé les chaînes de Giudeca, espèce d'idiot. Vois donc ta ruine et sois le témoin de ma fuite jusqu'au royaume du purgatoire et au-delà. Que mon père peut-il bien vous trouver? Rappelle-toi la rébellion! Nous serons bientôt témoins de la fin de l'univers! Les enfants déchus régneront à nouveau! Attends! Il reste encore un dernier petit détail dont je devais te mettre au courant. Tu es mort, Dante. Tu n'iras nulle part. Aucune arme n'est autorisée à quitter cet endroit. Ce n'est pas permis. Il l'a dit. Je commence à en avoir plus qu'assez de toi. J'exige de récupérer la place qui m'est due au paradis. Ma voie sera pavée des péchés des hommes. Et les tiens, Dante, seront le lit de ma renaissance. Et tout ce qui est bon disparaîtra alors de cet univers pour l'éternité! Pas encore. J'ai rassemblé bien des âmes au cours de ce voyage. Des âmes que j'ai sauvées de cet enfer. Et ensemble, elles ont maintenant le pouvoir de me libérer. Mon père, ma mère, mes frères, absolvez-moi! Ce pouvoir, Dante, utilisons-le ensemble. Toi et moi, mon ami, imagine ce que nous pourrions accomplir. Je ne préfère pas. Dante, et j'ai le pouvoir de t'unir à ta Béatrice. Tous ensemble, nous régnerons sur l'au-delà et ses royaumes. Cela n'arrivera pas.
Dante. Je ne mourus pas, ni ne restai vivant.